Hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Paper Mario. Et la dernière fois, on s'était arrêté devant ce coffre mystérieux. Il contient le badge Dev+. Oh la vache, c'est bon. Waouh. Alors il doit coûter bien cher à équiper du coup. Je pense, putain ouais, diminue de 1 les dégâts, c'est super bon. Alors attends, il est où? Il est où? Voilà, il est là, il coûte 6 évidemment, hein, voilà. Ok, bon, ben, c'est bon, je note. Mais waouh, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y avait par là du coup? Ouais, bon, faut utiliser ça pour monter. Ok. Ah, non. Ah ouais, non, d'accord, ok. Ok, d'accord, j'ai pigé. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Y a plus rien? C'est quand même bizarre. Attends, on va voir par où c'est qu'il va sortir, lui. Ah ouais, d'accord. Ok, bon bah... Au moins on le sait maintenant. Ah, c'est juste un masque-casse. Bon bah, crève. Voilà. Et puis boum, bah... Un coup de barf dans sa gueule. Nya, voilà. Ça, c'est fait. Donne-moi un petit point d'XP. Le truc ridicule, quoi. Et donc, alors, ça veut dire qu'on peut passer par là? Ah, non, d'accord. J'ai pigé. Il faut que... je passe pendant qu'il passe. Voilà. Ta-da-ta-ta. Oh, esquive. Ouais, à partir de maintenant, je crois que je vais les esquiver, parce qu'ils rapportent plus rien, quoi. Et là, il y a un coffre. Le badge classification. Oh. Ah, ça peut être pas mal, ça. Je vais voir combien il coûte, juste... On va juste voir, hein, de toute façon. Badge... Il coûte 2, d'accord. Ouais, c'est bien. Je pense que ça peut être bien suivant suivant le moment, quoi, bien sûr. Mais je pense qu'on peut lui trouver une place, ouais. Bon, ok, c'est cool. Alors... Ah, ouais, d'accord, ok. Oh mon dieu, une foudre! C'est trop bien! Et là, il y a une clé, du coup, non? Une poêle à frire! Oh mon dieu, la poêle à frire! On l'a trouvée! Oui! Hey, let's go! On se casse! On va lui rendre la poêle à frire! D'accord, bon. Allez, on se casse, masse casse, on se casse. Elle était drôle, celle-là, hein? Oh putain, la poêle frire, oui! C'est la victoire totale! C'était la gare bleue que je... Ouais, il me semble bien que c'était ça. Je veux me rendre à la gare bleue, s'il te plaît, petit Toad noir et jaune. C'est assez bizarre, Toad, même. Chou-chou. Bon, on va skipper tout ça, voilà. Donc, la gare bleue... Ah, c'est bien, ça! C'est bon, ça! Du coup, on va se faire une petite halte à toute ville, du coup. Sortir du coffre, oui, je sais. Merci beaucoup. Alors, sortir du coffre, ouais, c'est ça. Oh yeah! Et on arrive à Bugville, donc. Alors, goûtez! J'ai ta putain de poêle à frire! Fais-moi bouffer! Voilà. Bonjour! Et oui, j'ai la poêle à frire! Tada! Oui! Ma poêle fétiche! Ah! Ah bah d'accord, ok. Tralalala, qu'est-ce que tu fais? Tu es trop chargé. Ah merde. Est-ce que je peux pas manger un truc du coup? Fuck. Je vais aller à un shop déposer des trucs. Parce que j'ai trop de bordel sur moi, quoi. Et désolé, parce que là, ça va bugger, hein. Enfin, je veux dire, je crois... Ouais. Alors, bonjour, je voudrais déposer tout mon bordel. Oh la vache, on va déposer ça, on va tout déposer, de toute façon. Voilà, vas-y, je dépose. Je ferai le tri après, hein. Pour l'instant, je dépose des trucs, histoire d'être moins chargé. Alors, par contre, j'aimerais bien retirer des trucs, par contre.
Voilà, retirer des items. Alors, je veux ma poudre à gâteau. Poudre à gâteau. Et ma feuille d'arbre, voilà. Non merci, c'est bon, sans façon. Alors. Voilà, c'est bon. Ça bug plus, tout va bien. Alors, goûtez donc. Bonjour. Enfin, salut. Voilà, donne-moi le truc que tu viens de faire. Voilà le cake. D'accord. Genre, t'imagines, tu vas voir quelqu'un, tu rentres chez lui, puis bonjour, voici le cake. Ah bon. Tu as démoulé ton cake. Alors, donc, délicieux cake, ouais, 15 PF. 15 PF. Ok, c'est mon meilleur cake. Son goût unique a conquis le cœur de feu mon mari. Oh putain, c'est triste, c'est glauque. Mon mari est mort, je l'ai cuisiné. Bon. L'occasion spéciale. Je pars pour devenir gaga, d'accord, bon. Mais c'est Mario. Alors, je veux que tu utilises, non pas le cake, la poudre à gâteau, parce que je pense que tu sais faire un gros gâteau avec ça. Le bon gros gâteau des ténèbres. Tra-la-la-la-la. Alors, ça fait un gâteau, je suppose. Ça fait le cake. Ah d'accord, c'est le même truc. Ok, d'accord, bon, ben, cool. Je ne m'y attendais pas. Alors, prépare-moi quelque chose avec la feuille d'arbre. Je pense que ça marche. Ça doit faire du désarbre. Je pense que c'est... Je sais pas, en fait. Peut-être pas, hein. Alors, suspense. Ah, merde, ça marche pas, en fait. Fuck. Bon, bah, c'est raté, du coup. Est-ce que j'ai d'autres trucs que je sais que ça marche? Ouais, ça, je sais que ça marche, mais... je crois que ça fait pas un bon truc, ça, si. Vous savez quoi? Je vais juste tenter la poupée de neige, voir ce que ça donne. Voilà, vas-y, vite fait. C'est une expérience. Ouais, voilà, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. On va revenir là, voilà. Et ça, ça fait quoi déjà? Je vais juste voir ce que ça fait, j'ai un doute. Même si il me semble que ça fait un truc pas terrible au final. Voilà, ça fait ça. Donc je le veux pas. On va retourner là, voilà. Donc j'ai deux cakes. Un c'est raté, ouais, bon. Et pas mal d'autres trucs. Ok, d'accord, bon, bah, cool. Tu ne veux pas que je cuisine? Non. Oui, non, mais je sais, mais on verra ça plus tard. Bon, déjà, ce c'est raté, je vais le manger. Ça se fait, je veux dire. On n'en parle plus. J'ai combien d'items sur moi, précisément, là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, là, je peux donc en reprendre 3. Je pense que je vais retourner au shop, donc, pour prendre ces 3 items. Parce que ça peut être très important. Et du coup, ça va rebugger, je suis redésolé. Ah, remarque, il vend des éclairs, ce con. Ok. Alors, retirer... je vais retirer ma foudre. Je vais aussi retirer mon éclair. Ainsi que ma poupée neige. Voilà, tant qu'à faire. Parce que je sens que ça va être très utile dans la suite, ça. De toute façon, ça peut pas être inutile. Allez, on y est presque à la fin des bugs. Courage. Alors, on va retourner dans le coffre. Voilà, voilà. Alors, on va retourner à la gare rose. Voilà, voilà. Bonjour, je veux aller à la gare rose, s'il te plaît. S'il te plaît, dude. Voilà, on y est, c'est parfait. Merci, merci. Il me semble bien que c'est ici qu'il faut que j'aille, de toute façon. Oui, voilà, c'est ici. Le but, ça va être d'activer ce switch rose. Tu vas remettre les rails en place pour pouvoir aller à la gare verte. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, maintenant qu'on a le cake, je pense que c'est ça qui nous manquait. Ce fameux cake est très très spécial, vous voyez. Je pense que c'est ça. J'ai trop faim pour pouvoir manger. Il me faut un bon cake bien sucré. Ben voilà! En plus, tu confirmes que c'est ça. Allez, vas-y, mange! Et essaye d'atteindre l'orgasme gustatif. Ah mon dieu! Oh, ce subtil parfum, c'est bon! Je ne sais pas bien quoi dire. Miam! Oh!
Ok, donc on l'a envoyé en orbite. Ok, alors, vous avez trouvé le livre de cuisine. Le livre masque à goût, frère. Le montrer à un bon cuisinier. Et oui, parce que ce livre de cuisine va offrir tout un tas de nouvelles dimensions à la cuisine, si vous voyez quoi. On va le montrer ça à goûter tout à l'heure. Alors déjà, il y a quoi par là? Ah, ça s'arrête. D'accord, bon, bah ok. Y'a pas un morceau d'étoile derrière? Non. Alors, il y avait un masquasse là, non? Il y avait un masquasse de feu. Ah ouais! Peut-être pour ça le badge glacé là. Je l'ai raté avec le marteau, là! Quel enfoiré! Ouais. Ouais. Fais chier. Bon, on va leur sauter dessus. On va faire ça. Oh là là! On va faire ça un par un, comme d'hab. J'ai pas trop le choix de toute façon. Je sais pas si Bou pourra gifler le masquasse de feu cette année. Parce que je veux dire, je pense pas pouvoir lui sauter dessus. Putain, c'est quoi ça? Oh! D'accord, espèce d'enfoiré. Pouh, la vache. Ouais, ça va pas être bon ça. Du coup, on va quand même buter lui là. Parce que c'est lui qui a appelé le healer, du coup, si on le bute pas, il va le rappeler. Voilà. Prends-toi des buffs dans ta gueule, connard. Salaud. Oh, esquive. C'est vrai qu'il tape vachement fort, hein, si j'esquive et que je me prends deux quand même. La vache. On va buter le healer. Je pense que c'est le mieux, hein. Voilà, nickel. Comment on attaque le truc de feu, alors? Oh, j'avais pas un truc... voilà ça, ouais. Ah, ok, c'est ça qu'il fallait que je fasse avant, en fait. Ah, fuck. Bon, bah, marteau, alors. Je suppose que ça, je peux. Ah, tu prends 4 dans ta gueule. Puis honnêtement, je pense que Bou n'est pas le perso adapté. Est-ce que Parakari, ça le ferait? On va voir ça, parce que je peux attaquer direct. Ah merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Et en plus, ça marche pas, donc... Bon, c'est pas grave, on va le marteler, c'est pas grave, c'est pas grave. Rien à foutre! Putain, il m'a bien fait mal, ce con, hein. Nya. Voilà, coup de marteau en slow motion dans ta gueule. Et un peu d'XP quand même. Ça fait toujours plaisir. Oh la vache. Ouais, faudrait quand même que j'utilise des attaques spéciales de temps en temps, moi. Ça, c'était sûr, putain. Alors, la somme cadran, ouais, bon, c'est dommage que ça ne m'intéresse pas. Ah, j'ai pas fini mon périple, là, sur ce coup-là. Tiens, mange ça, toi. Alors... Bah vous savez quoi, on va tenter le coup toupie pour voir ce que ça fait. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va mettre bombinette, on va exploser en fait. On va faire la totale bombe, comme ça butera les deux. Voilà. Esquive. Vous savez quoi, même je vais faire la régène du vieux une fois quoi, histoire de récupérer un petit peu de points de vie quand même, parce que je commence à être un petit peu dans la merde, hein. Voilà, nickel, c'est bien. Du coup on va mettre Bou en fait. Ouais, c'est une experte de la gifle, c'est ça qui avait marqué. Allez hop, là-bas, dans ta gueule! Voilà! Ça, c'est fait! Ah merde! J'ai raté mon esquive! On va méditer une fois donc! Comme ça, on achève l'ennemi avec vous! Et c'est parfait! Voilà, je gagne de l'énergie étoile, c'est nickel! Allez! Voilà! Juste crève quoi! Bon, je pense pas pouvoir level up dans cet épisode, moi.
En tout cas, tu drops des fleurs, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pièces, ouais. C'est plus si utile que ça, les pièces, hein. Oh, ah merde! Ne pas lui sauter dessus, surtout. Ah, fuck. Bon, alors. Oh la vache! Ouais. Ouais. Ça fait un peu chier tout de même, ça. Non, vous savez ce qu'on va faire? On va méditer une fois. Comme ça, je regagne, je pense, la deuxième étoile. Voilà, nickel. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devenir invisible. Et donc, invincible. Pendant un tour. Comme ça, vous me faites absolument rien. Merci. Puis, on va pouvoir déclencher la pluie d'étoiles dans vos gueules. C'est vrai que j'aurais aussi pu faire coup de marteau plus la bombe. C'est vrai, maintenant que j'y pense en fait, ouais. Non, c'est pas grave. La pluie d'étoiles, c'est plus classe. Voilà, ça fait tout de même un petit peu d'XP. C'est toujours ça. Ouais, parce que niveau fleurs, on n'aura pas de problème, en fait. Grâce aux fleurs bonheur, j'en ai plein. Non, c'est pas fleurs bonheur, c'est troupe fleurs, je crois. Bon, enfin, c'est pareil, vous avez compris le principe, quoi. Et là, on arrive au switch, c'est ça? Ouais, nickel. Et hop, on active ça, du coup, les rails se reforment, c'est ça, non? Ah bah, d'accord. Voilà, voilà, bah, nickel. On va pouvoir retourner au train pour pouvoir changer de gare. Très bien. Ah, c'est par là. Et encore, heureusement que je laisse ce badge de la toupie, là, parce que... Merde, je ne m'y attendais pas. Ouais, ok. Ça devrait pas trop poser de problème. Il tient un marteau. Crève, c'est tout. Tu meurs et puis c'est tout. Oh, esquive totale. Ah, tu l'as dans le cul, quoi. Voilà. Puis on va l'achever avec vous. C'est parfait. Voilà. Très bien, tout ça. Faudrait que j'utilise des fleurs plus souvent, moi. Mais après, c'est pas, je sais pas, c'est pas nécessaire pour l'instant, donc bon. J'ai une petite sauvegarde, c'est pas con. Voilà. Alors, je veux aller donc dans la gare verte. Je veux dire, je suppose. Gare verte. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver là-bas? Ça va être le suspense total. Jackpot. Mais qu'est-ce que c'est que le jackpot? Sachant qu'il y a la gare rouge après. Gare verte. Ok, donc il manque un morceau de rail. Ok. Ah, c'est ça le jackpot. Non? Ah bon, d'accord. Non mais c'est cool, j'ai gagné 4 pièces, je suis content. Hein. Toi tu vas m'expliquer ce qu'il y a à la gare verte, non? Les masques sont endommagés Nora et j'en suis vert. Comment peut-on se déplacer? J'ai mis un masque avec un livre foncé vers le jackpot. Ah mais c'est vrai qu'on l'avait volé un livre aussi. Bah oui. D'accord. Bon, bah... D'accord, par là y'a rien, ok. Alors... Ah ouais, ça c'est Kamikupa qui va donc placer un ennemi ici. L'ennemi what the fuck.
C'est pas grave, j'ai pris le risque. Ah, c'est un dédale de tapis roulant. Ça va être la merde. Bon, on peut avancer quand même, ça va. Ah, ok, j'ai pigé. Ah, mais attends, toi, t'as un truc qui m'intéresse. Non, non, viens là, viens là. Voilà, en plus, t'es sauté dessus, nickel. Waouh. Ok, ce qu'on va faire, du coup, c'est le marteau séisme. En fait, non, j'aurais dû faire le marteau, le coutoupie, en fait. Et comme ça, avec... non, pas avec vous. Avec Bobinette, on va pouvoir les achever tranquille. À coup de totale bombe. Nya. Bon, ça fait pas d'XP du tout, mais bon. C'est quand même plaisant. Alors, c'était quoi, ça? Oh la vache. Le mot mystère. Un message incompréhensible montré à un intello. Un intello? Est-ce que ce serait le mec du livre, justement? Enfin, je crois qu'il y a un Todd comme ça dans la ville. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore? Oh! Bande de trous du cul! J'ai gagné une pièce! Ouais! Attends. Tu rejouer à volonté? Ouais. Allez, faites-moi gagner, là. Oh, merde. J'ai encore gagné une pièce! Youhou! Je suis riche! Allez, putain, faites-moi gagner jackpot! Ou alors l'étoile! Il y a une étoile aussi. Ah, putain, merde, ça pue du cul! Non, ça va. Ah, je vais gagner un masque-as, là, non? Oh, putain. Le truc chiant, quoi. Allez, crève. Oh, je l'ai raté, en plus. Voilà. Donc, c'est le jackpot, hein. J'ai tenté, quoi, voilà. Alors, du coup, ça peut être un moyen de farmer les masques-as, ça, non? Juste. Voilà. Je veux dire, je peux farmer l'XP comme ça, quoi. Non, je le ferai pas, évidemment, mais... Ok, on va retenter une fois. Puis si ça marche pas, bah tant pis, hein, je veux dire. Oh, fuck! Eh merde. Ok, je gagne rien, bon. Non. Rien à foutre, quoi. Oh la vache. Ouais. Il va y avoir moyen de passer là-bas. Enfin, je veux dire, le moyen de passer, il est là, voilà. Oh! Morceau d'étoile! Ah, du coup, c'était probablement pas par là, en fait. Ah non, faut passer au-dessus de ce truc. Par là, comme ça? Ouais, comme ça. Voilà. Et là, je pense qu'à partir de ce moment, Parakari peut m'emmener là-bas. Voilà. Ouh, ça passe juste, mais ça passe. Ah, bah oui, d'accord, oui. Bonjour. Je savais que tu viendrais. Si je te bats, Bowser me compensera. Et je deviendrai célèbre. Ouais, mais ou pas, quoi. Ah, il y en a deux, en plus. Et ils ont 8 points de vie. Alors, ils doivent avoir une putain de défense, par contre. Mais est-ce que le marteau séisme plus la bombe, ça suffirait? Ah ok, vous vous êtes pris deux. Non, honnêtement, je pense que la bombe devrait suffire. Allez, on y croit. Et badaboum. Voilà, nickel. Et croyez me battre en plus. Oh la vache. Ah, finalement, je regrette absolument pas cette décision, putain, waouh. Allez, dégage. Je veux cette fleur. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le coffre? Le dico, le dictionnaire de déjanté.
Bah, je crois que c'est à lui que je dois aussi montrer le machin mystère, là. Ok, bon, on va naviguer là-dedans. Je veux aussi ce truc, il y a un machin là-haut, là. Comment j'y vais? Ah ouais, par là, ok. Je vais avoir besoin de Parakari. Voilà. Ah ok, c'est juste des pièces. Du coup, c'est pas très important. Ah, fuck. Putain, c'est chiant. Voilà. Bon, puis le jackpot, ben, pff, je m'en fous, quoi. Je veux dire, voilà. Ah ouais, merde, c'est vrai. Il me faut boum. Pour être invisible et ainsi passer là, par là, quoi. Alors, il faut qu'on retourne à Toadville, donc ça veut dire. Et donc c'est par là. Le long chemin. Ah, je peux aller à la gare bleue tout de suite. Ah bah c'est bien. Très bien tout ça. Allez, gare bleue. On y va. On y va. Attention au départ, dis donc. Ouais, la gare bleue, on y est. Parfait. Oui, je sais, je sais, je sais. Non, je m'en fous. Voilà. Alors. Donc, Toadville. Enfin, Bugville, plutôt. Alors, on va aller voir Déjanté, parce que je pense que c'est lui qui peut m'aider. Et, si mes souvenirs sont bons, il est bien à l'entrée de la ville. Alors que lui, il peut très bien aller se faire foutre, le mec bleu, là. Ah oui, attends. Tant qu'à faire, j'ai aussi le bouquin de cuisine. Voilà, bonjour. Ton livre, là, on dirait un livre de cuisine. Je pourrais élargir mon répertoire de recettes avec ça, Mary. Mais oui, tu peux l'avoir, parfaitement. Je peux l'avoir? C'est trop gentil. Avec ce livre, je peux utiliser deux ingrédients à la fois et réaliser de meilleurs plats rien que pour toi. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir découvrir des combos d'ingrédients pour faire des plats encore plus développés. Et on essaiera des trucs, ouais. D'avoir des trucs qui marchent, évidemment. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi? C'est quoi, ça? Méditation groupe. Ah oui, c'est bien, ça. Je le prends. Écoute 2, d'accord. Donc ça, c'est génial. Je me rappelle de ça, parce que je l'avais dans la dernière fois que j'ai fait ce jeu. Alors, mes petits bons, ils sont boostés, ça m'intéresse pas. Ça permet, en fait, aux bots, genre Boo et Goombario, tout ça, de méditer aussi, en fait. Et donc, c'est très, très cool. Alors... Voilà, Déjanté, je crois que c'est cette maison-là. De toute façon, ça peut être que lui, hein. Mince, Mario! Un masque m'a volé mon Dico! Je perds des points de QI. Ouais, voilà, c'est lui. Alors, voilà déjà ton Dico. Oh, tous ces mots, c'est magnifique! Ah, bien! Ok. Alors, voilà, j'ai un mot mystère, tu peux déchiffrer ça, s'il te plaît. Tu voudrais que je traduise cette note? Voyons voir, c'est écrit en masque. C'est con, ça. Alors, oui, bon... Frappe le jaune, le vert, le rouge, puis le bleu. Ouais, je vois de quoi ça parle. Alors, jaune, vert, rouge, bleu. Ok. C'est pas un poème, hein. Alors, jaune, vert, rouge, bleu. Ok. On va aller voir Luigi aussi, donc, à faire. Je pense qu'on va... Ça va faire un épisode un tout petit peu plus long, mais j'ai envie de faire des trucs dans Toadville. Bonjour, Luigi! Je saute bien, mais je dois faire des progrès en course. Merci Luigi, voilà. C'est parfait. Je vais juste aller voir s'il a rajouté un truc dans son journal lundi. La grosse pute, quoi. Alors. Non, bon tant pis. C'est pas grave, je pense que si. Je pense que après il rajoutera des trucs. Bon. Donc on a. Le message, c'était jaune, vert, rouge, bleu, c'est ça? Je me rappelle déjà plus. J'ai combien d'items sur moi? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, d'accord, bon, bah ok. Bon, on verra plus tard. Mais en même temps, on va voir maintenant. Derp! Tu vends pas des champis? Si, parfait. Alors, bienvenue chez Pignon! Je veux... Non, pas retirer. Je veux déposer des items. Ou à la limite te vendre des items. Je te vendre cet assomme cadran qui ne sert à rien. Oui, je veux aussi te vendre... Putain, 64 pièces.
Je suis désolé pour les bugs, hein, en fait, mais... On va déposer des trucs... Genre... Ce sirop d'érable, j'en aurais pas besoin, honnêtement. On va aussi déposer la poupée neige, j'en aurais pas besoin. On va même déposer le cake, j'en aurais pas besoin. Non, c'est bon. Alors, je veux t'acheter un champi. C'est juste pour essayer des trucs. Et un sirop de miel, je pense que les deux... Je pense que ces deux trucs doivent faire une bonne recette, quoi. Un champignon au miel, ça doit être... Enfin, dit comme ça, c'est bizarre, mais... Alors, goûtez! Bonjour! Alors, 15 ingrédients, donc un champignon. Déjà, ouais. Oui. Et un sirop de miel. On va voir si ça donne quelque chose. Normalement, ça devrait, je pense. Ça devrait faire quelque chose. Ou alors un truc genre champignon, feuilles, pas et tout. Genre, il y avait des pâtes. Ah ouais, pâtes aux champignons, on peut le faire, ça. Cette recette n'est pas trop mal. Donc déjà, ça marche. Et ça donne un champi-miel qui rend 5 PC et 5 PF. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et donc voilà, on peut collectionner les recettes de ce jeu, de ce truc, de les recettes, quoi. Histoire d'essayer de toutes les avoir, quoi. Parce qu'il me semble que c'est un truc du menu pause, non? Il me semble qu'il y a un truc. Non? Ah, peut-être pas, en fait. Ouais, bon, en fait, peut-être pas. Non, c'est par là que je voulais aller. Parce qu'il y a autre chose que je voudrais faire. Et on va faire ça dans cet épisode. Enfin, au moins, on va aller voir ça dans cet épisode. C'est que j'aimerais bien aller là-bas. Ça sera un peu plus long, c'est pas grave. C'est pas la première fois que je fais ça, de toute façon. Allez. Donc ça, c'est le tuyau qui mène au village Koopa. Est-ce que vous avez compris où je veux en venir, hein? On va aller voir le vieux, parce qu'il doit avoir plein de quêtes à faire. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais plus, je ne suis plus aussi mobile que dans ma jeunesse, et je trouve que je perds un peu le contact avec l'extérieur. Un journal serait le meilleur moyen de me mettre à jour, non? Tu pourrais lire les nouvelles de Toddville pour moi? What? Comment je fais ça, en fait? Tu pourrais lire les nouvelles de Toddville pour moi? Enfin, je suppose que je vais trouver ça à Toddville de toute façon. C'est bizarre comme quête, en fait. Je ne suis pas sûr de ce qu'on va faire, en fait, là. Mais... bon. Bah, écoutez, je pense qu'on va à peu près finir l'épisode ici. On va juste retourner à... On va retourner au coffre, vous savez quoi? On va commencer par le coffre. Parce que c'est trop bizarre, là. Cette quête va me laisser perplexe. On la fera une autre fois. On va juste retourner au coffre. Vite fait, parce que je veux dire, c'est là qu'on en est, hein. Et hop là. On va retourner à la gare... verte. Voilà, gare verte. Est-ce que tu peux m'y emmener, s'il te plaît? Merci, dude. Voilà, parfait. En fait, j'aimerais bien faire la combinaison avant que je l'oublie, en fait. C'est surtout pour ça, quoi. Parce que je me rappelle que c'était donc jaune-vert, rouge-bleu. Et là, ça va faire quelque chose de spécial, non? Ah, bah ouais, quand même! Bien, très bien, ça. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Donc ça veut dire qu'au prochain épisode, bah, on prendra le train pour aller à la gare rouge. Voilà, voilà. Donc, bah moi, c'est ici que je vous laisse, fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, des tweets, de n'importe quoi, voilà. Et... Donc c'est la fin de cet épisode. Donc, salut à tous, portez-vous bien, et joyeux Noël!